Et re, on continue notre jeu. Et donc là, le combat contre Razi qui est une fille en fait. Là, on va garder. Ah merde, non, mais je vais équiper l'Aqua Saber. Il a une meilleure durabilité. Allez, c'est parti. Oui, je suis prêt. Contre donc Razi. Qui a donc invoqué son esprit. Beaucoup de sauts. Oh merde. Oh merde, 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 merde. Vra. Oh, il est craqué, il est craqué. Oh, mais il est craqué, le mec. Allez, un petit healing. Ah putain, mais hey, c'est bon. Ta durabilité, tu te la mets dans le fion. Mais what? Oh, mais encore un healing. Mais moi je vais récupérer tes points. Non! Si j'esquive. Ah non. Enchantement de feu. Saute. Oh, saute, 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 fais quelque chose, sois utile. Non! Non, 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 non. Putain, je suis trop près. Non! Mais non! Bordel, j'y étais presque. Et voilà, le game over, le premier game over. C'est pas grave, donc Banpresto, hein, c'était ça qui avait développé le jeu, et Atlus et Banpresto qui ont light plan, bref. Je sais plus qui m'en avait parlé hier soir. Bon, allez, on recommence. On a compris les patterns, on va changer l'équipement, évidemment, on va virer ça. Et c'est parti. Tu commences déjà à me casser les couilles. Oh non, tu commences déjà à me casser les couilles. Healing spell, c'est parti. Il me faut sa technique de poing. Je veux sa technique de poing. Non, 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 mais oui, j'y étais, mais j'y étais. Non, 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 j'esquive, j'esquive, j'esquive. Mais merde, combo breaker. Mais t'es sérieux, tu me touches dans le dos? Oh merde.
Attaque. Ah non, c'est incantation. Ah, je suis dans le coin, je suis dans le coin. C'est parti, un healing spell. Allez, on va le faire. Et merde, merde, merde. Bon, allez, on s'en fout des techniques des gens, en fait. Encore un enchantement Aqua. Aqua di Gio, Giorgio Armani. Bref. Des bleus. Mais je vais te baiser, je vais... Mais je vais te régler, c'est ça mon problème. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Vas-y, meurs, dégage. C'est bon, ta technique de poing, tu te la gardes. Je vais me démerder, j'ai pas volé les techniques des adversaires. Allez, level up, c'est cool. Ah voilà, Razi c'est une nana. Quatrième étage. Petite sauvegarde. Et on a gagné! C'est bien! Je crois qu'on va vraiment finir le jeu en mode on tue tout le monde et puis pour les armes, si on arrive à les casser, bah c'est cool, sinon bah pff, on s'en fout. Ok. Donc là c'est déjà non. Ok. On y est, yes. Ah, c'était plutôt simple en fait. Ah, écoutez les vœux des gens, le shonen, c'est parti, instant shonen. Et c'est l'heure, c'est la nuit. C'est la nuit, c'est le moment chiant où on va parler avec des gens. Ah bon, qui arrive? Merci, blablabla. On va aller reparler avec notre premier rival. Allez, c'est cool, début de la cinquième journée. Le quatrième ou cinquième? Cinquième journée. Ah, on a les infos sur notre prochain opposant. Des belles jumelles. Des magnifiques jumelles. Et c'est parti, le duo des Sims, Ariel et Mariel. Elles se ressemblent, elles ont juste une couleur différente, évidemment, un color swapping. Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dégagez! Alors... Nouvelle technique, c'est cool. Ah, tremblement de terre. Donc on doit aller à... on doit aller si bas. Donc
Donc si je veux créer l'arme... Ok, donc j'ai pas le matériel pour. Donc on va se barrer. Allons visiter le milieu de Wistern. Qu'est-ce que t'es? Bonjour. Mais je pense qu'à l'issue du tournoi, il va y avoir une banane, hein. C'est obligé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, mais c'est le... Ah, mais le magasin est ouvert. Ah, intéressant, intéressant. Iron Necklace, bien sûr qu'on l'a acheté. On va s'équiper de l'Iron Necklace. Équipe. Yes. Et barrons-nous de là. Il a l'air d'y avoir rien d'autre d'intéressant qui est ouvert. On va s'occuper de notre équipement, on va remettre donc notre dague et l'épée. Et vous remarquez qu'à force d'augmenter notre agilité, en fait, les conséquences d'avoir une arme, une grosse arme comme celle de Hugo Chavez, bah c'est un peu mieux. Hugo Chavez. Ah oui, donc je voulais qu'on descende. On va sûrement aller chercher cette arme, ces histoires de corps. Alors, cendrier. Bref, discussion, plus dur que varil. Alors, téléporteur. On va descendre au 11e sous-sol. Ça, ça a été réparé, c'est bien. Là, je l'ai tué alors que je sais pas comment j'ai fait, bref. Et déjà, nouveau level up bientôt. Et oui, je fais beaucoup de save, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Petite descente. Merde, je me suis trompé de côté. Cassons-nous là. Voilà, par ici. Cha. Allez, on récupère encore du minerai pour faire des armes sympathiques. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, non, mais ok, donc faut que j'aille parler à quelqu'un. Oh, le bordel. Le bordel. Ici, c'est fermé. Bordel, mais laissez-moi tranquille. Ah, donc va falloir que je me recasse. Ok, bon bah ciao. J'arrête pas de faire des allers-retours, ça m'énerve. Bon, allez, on détruit quelques ennemis aussi pour la bonne cause. Allez, remontons. Ouais, ça devient plus facile tout d'un coup. Et le level up. Ça, c'est bien. Encore en force, là. Par contre, j'ai commencé à beaucoup plus monter la force, je l'avais dit.
Bah tiens, te revoilà toi. Donc retournons à machin. Ouais, ça doit sûrement être dans le quartier là. Ah! Maître Sakuro. Ah, ils se connaissent aussi. Ton entraînement. Beaucoup de potentiel. Alors, on va prendre l'entraînement spécial. Donc, on va aller voir ces gens-là. On va les visiter un petit peu, bonjour. Ah, elle va nous donner quelque chose. Ensuite, où dois-je aller? C'est cool. Ah! L'homme du mec qui aime les haches. Bon, allez, retournons voir le maître. Allez, c'est parti. Ok, tu as tout ce qu'il faut. Ok, nouvelle technique. Donc on va aller faire cette technique, je suppose. Alors, la droite toute, droit, bim, yeah. Allez, c'est parti, craft, y craftons. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, j'ai passé le. Ah, si, ça c'est. Allez, qu'est-ce que ça va être? Quoi? Une louche? Ouais, c'est cool. On va retourner le voir, quoi, mais c'est chelou, quoi. Le mec, il nous dit, vas-y, tu vas prendre un entraînement, fais une louche. Ouais, cool. Aujourd'hui, ton entraînement va être de faire une soupe. Pardon. J'imagine bien la situation.
Tu dois faire une soue, tu dois faire. Fais cet objet et tu deviendras surpuissant. Oui, maître, je deviendrai surpuissant. Une louche? Pourquoi, maître? Car un esprit affûté a besoin d'un estomac rempli. Ok. Ok. Maintenant, des épices. Bildeye, Kamkalona, Patanahin. On va tester, on va voir ce que ça donne. Ah, bonjour. Ah, ça parle de Nan. Patanahin. Ah! Gratuit! C'était gratuit! Gratuit man! Gratuit man! C'est bien! C'est bien, c'est bien! Gratuit! Ça fait plaisir! Pourquoi j'ai piffé Patanahin au fait? Ah si, ça me donnait. Donnait bien envie d'en parler, Patanahin. Donc retournons voir du con là, qui est en train de me faire faire, je sais pas, une soupe à bouffer. Un curry? Ah, c'est bien un truc de Jap, ça, le curry. Et voilà, curry, je savais. Fais du curry, quoi, ouais. Allez cuisine! En français, allez cuisine, hein, attention! Oui, indien, évidemment, Rixor, c'est indien, mais il y a toujours y a cette tendance au Japon, ils mangent du curry. En Inde aussi, évidemment, mais ce truc de ça, c'est un délire de Jap de aussi de voir dans les animes et tout ça du curry en masse. L'amour. Alors. Ah, c'est la cuisine, donc. Ouais, mais c'est plutôt indien, oui. Après. Ok. Alors, on va faire dans l'ordre.
Il est passé où? On va casser son eau. Il est au château, quelque sûrement au château. Il avait dit quoi qu'il aimait ce goinfré, je crois. Bingo! Cinquante niveaux. Bon, on a enfin notre clé. C'est parti, go. Faisons une sauvegarde et partons directement dans le labyrinthe. Allez, labyrinthe 11, c'est parti. Ah, et détruit en deux coups, en plus ça me rapporte beaucoup d'expérience. C'est bien. Descente, allez go. Espace planté, scooter des mers, remontée. Mais merde. Et vu qu'on a pris un niveau, on perd encore plus de temps. Ah, voilà, escalier. Qu'est-ce qu'on a par là, tiens? Aucun matériau, c'est... Mais c'est dingue! Ah, un truc pour récupérer de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a l'univers. Ouais, un small Tinder. D'accord, donc rien d'intéressant. C'est qui ça, Gareth? Oh les chiens, oh les kleps. Bah les meurs, très bien. Ouh, beaucoup d'expérience et les chaussures de bête. Les beast shoes. Encore quelqu'un qui est en train de faire du marteau à côté de chez moi, là j'en ai marre. Ok, la masse de jelly slime, jelly. Peanut butter jelly time. Peanut butter jelly time. Ouais, mais t'arrêtes de m'attaquer toi. Bon, ensuite, on va passer par là. Encore coucou et Gareth.
Ça fait des dégâts, ça c'est bien. Donc cette arme-là fait assez de dégâts pour l'empêcher d'attaquer juste après. Oh merde, mais... J'ai pas les réflexes. Dans ce jeu-là, j'ai pas les réflexes encore de mes ennemis. Bordel. Qu'est-ce qu'on a? Oh, deux coffres! Kicker Potion. Red Lanterne, ok. En parlant d'items... Non, t'es fou, toi. Ouais, voilà. Oui, très bien. Allez, cassons-nous de là. Non? Un small Tinder, small Tinder. Beaucoup trop Tinder là, hein. Allez, un escalier. On arrive et direct, c'est les emmerdes. Ok. Ah non, il y a trop de monde là. On a dit que 3 personnes, 4ème personne, il y avait un supplément, mais les suppléments, c'est pas moi qui les paye. Hein. Ah ouais, non, mais là, c'est la fête du slip. Bonjour. Laissez-moi sortir d'ici, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Large bolt, ouais, c'est cool, un éclair large. Mais c'est pas ça que je cherchais, justement. Ah non, ils sont trop. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Rien. Ah, les esprits malins! Oh, bon, vous allez vous calmer, les esprits, hein. Mais je vais m'énerver. Ta gueule, bordel, saloperie. Et le level up. Bizarre qu'elle apprenne pas d'autres techniques par contre. Donc là on a la descente, ok. L'idée serait éviter... Ah attendez, y a un truc. Soit j'ai rêvé, soit y a ce que je pense. Non, bah non, j'ai rêvé, bravo. Évidemment au même endroit, même combat. Qu'est-ce qu'on a là? Ah mince, faut que je remonte. Bon! Ça va les gars? Vous essayez pas trop... Vous essayez pas trop de me casser les couilles peut-être? Bon, c'est vrai que le labyrinthe a l'air stylé, hein, dans les fonds des images de baston. Ah, encore une potion, des potions à 500 de vie, ça fait plaisir. Mais cassons-nous de là. Ah, ça c'est mon arme préférée. Voilà, t'es mort. Rapporte beaucoup d'expérience. Ah oui, ça rapporte toujours un peu d'expérience qui reste malgré tout intéressante, mais pas assez pour faire quelque chose de réellement sympathique. Ah non, 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 bonjour, merci, bonne journée, salut. Et salut. Ah, mauvais chemin! Fais le tour. Fais la poule, tu verras comme tu serais cool. C'est bon, je comprends leur technique avec eux aussi. Quasiment le level up.
Ah, c'est parti, étage suivant. Ça devient de plus en plus le bordel, hein. Ah ouais, je confirme, ça devient vraiment de plus en plus le bordel. Ah, large bolt, encore. Plein d'items que je reçois, c'est cool. Merde, il est passé dans le dos, mais c'est pas grave. Il est passé par ici, il repassera par là. Mais je l'ai tué. On avait dit toujours de la force. Ah, un mur caché. Un mur caché, on s'en fout des ennemis, vous n'êtes pas là. Et moi non plus. Allez. Laissez-moi rentrer. Ah, deux coffres. Salut Armentis. Alors, le handicap, c'est qu'à chaque émission, les gens choisissent une arme que je devrais utiliser pendant tout le stream. Donc, il y a 5 types d'armes différents. Il y a les épées, il y a les haches, il y a les lances, il y a les poings, et le dernier, c'est les drills. Et en gros, bah, au début du stream, les gens choisissent une arme. Alors, dans le chat, je vais faire ça en sorte de faire ça dans le chat au lieu de faire un straw poll régulier. Sachant que, évidemment, pour éviter les soucis, on interdira l'arme qui avait été utilisée précédemment. Et ainsi, bah, ça sera un handicap. Alors, je connais peu le jeu à la base, j'ai joué aux deux au final, c'était, j'ai eu mes infos. Mais ça voudra dire qu'il faudra que je change d'arme à chaque fois, il faudra que je reste polyvalent sur le matos que j'ai, parce que c'est une histoire de craft et tout ça. Mais il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de moyenner. Ok, une save, donc là on peut descendre, on s'en fout. Alors qu'est-ce qu'on a comme stuff? Ah c'est bon, la hache elle donne plus rien. Et donc là pour aujourd'hui, bah, j'ai dit, bon, vu qu'il n'y avait pas grand monde, parce que j'ai pris le stream assez tôt et tout, j'ai dit, bon, bah, on choisit les épées. Et pas de soucis. Non mais dégage, 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 dégage. Et j'ai pas un... Mais attendez, je viens de faire le... Je viens de faire le tour, on est d'accord. Je viens juste de faire un tour pour rien. Ah, le côté... Ne pas s'énerver. Ok, il y avait rien à cet étage, c'est génial. Le... Non, remonte, remonte, remonte. Alors, on va faire une petite save du jeu. On va continuer un petit peu et normalement, pas tarder à faire une petite pause. Sachant que je vous rappelle, on est ensemble jusqu'à 21h. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? Non mais laissez-moi sortir! Ah! J'en ai marre, j'en ai marre! Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de vrai plot twist intéressant. Hein. On se fait un peu yesh. Non, mais les esprits, ils m'énervent. Voilà. Esprit, es-tu là? Moi, je répondrai non! Et arrêtez de m'emmerder. Oh, ouais, c'est bon là. Je pense qu'on va XP qu'avec les combats de boss, on va faire du speedrun. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ce qu'on cherchait, les core parts. Des items, ouais, on va continuer à visiter quand même un petit peu. Peut-être d'autres items. Ah, oui, bah oui, il y a un truc pour récupérer de la vie et tout.
Dégageons, dégageons. En plus, il y a des citrouilles, des pom-pom-con, ou je sais plus comment ils appellent ça dans le jeu. Mais là, on a des Magic Kino ou Kano. Allez, c'est parti. Oui, oui, merde. Allez, cassons-nous, yes. Ah, encore une pièce. Ok. Conducteur Rod. C'est bien tout ça. Mais c'est étrange, il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage pour descendre plus loin dans le coin. Étrange. Téléportons-nous. Allez, premier labyrinthe. Courons. Alors, créer du matériau à partir d'items. Bon, là, on met tout dedans. Ah, les larges bolts, ça c'est bien. Encore des items. Oh, mais je craquais. Juste voir en termes d'équipement, est-ce que c'est plus intéressant de garder mon éclaisse. Je gagne en agilité, mais je perds en défense et en attaque. 10 pour une perte de 5 de chaque, ouais, non. Quoi qu'attendez, slip résistante. Est-ce que je suis prêt à perdre 5 de défense pour ça? Non, pas pour le moment. On va garder ça dans un coin au cas où. Et donc, on est prêt à créer cette arme. Et donc, cette épée craquée, le Gladius. Ah ouais, ok, elle est largement mieux. Ah ouais, en fait, là, j'ai que des armes qui sont assez rapides, au final. Intéressant. Donc allons parler au maître. Maître, je vais te montrer ceci. T'as fait l'épée. Ah, il me donne une nouvelle technique. On va prendre une technique de... Quelque chose que je n'ai pas les haches au cas où. On va aller forger une... Attends, est-ce que je suis limité en armes? J'ai pas l'air d'être limité, on va forger la hache quand même pour avoir une hache au cas où quelqu'un me... Au cas où je dois jouer avec une hache. Donc une hache très simple. Ah ouais, en plus on perd tellement dans certaines caractéristiques, donc on va aller voir Sakuro. Donc si on passe comme ça... Ah, c'est peut-être plus rapide en fait.
Donc, sa maison, elle est où déjà? On va aller voir Sakura, on va faire une pause. Bon, on va sauvegarder, on va faire une pause. Vous inquiétez pas, je viens d'y penser à l'instant que je vais faire la pause. Ça arrive. Bonjour. Allez. Allons sauvegarder. Et donc, à dans 5 petites minutes, à de suite.